entre personnes de bonne compagnie, on s'entend toujours. Par exemple, quelques jeunes gens sportifs, virils. Au revoir, Miss. Bien élevé. Un restaurateur très distingué. Je croyais avoir touché le fond de la honte et de la déchéance. Ça, oui. Poli. Merde. Bourgeois. On m'appelle habituellement Colonel. Un vrai gentleman. Loyal. Envoyez-le-moi tout à l'heure. Tu l'entendras gérer. À coup de flingue. Un gros brasseur d'affaires. Sobre. Sérieux. Tu sais à quoi je pense? Oui. Calme. C'est facile de promettre, mais c'est pas à vous qu'on passera les brodequins. Hein? C'est pas vous qu'on plongera dans la baignoire. C'est ce bonheur-là. Courageux. On finira par y passer. Sûr. Ce sera le tiercé de la semaine. Une jeune femme charmante. Si tu m'appelles encore une fois ma bichette, tu vires. Vu? Aimable. Accueillante. D'accord, vous allez dormir ici. Mais ça veut bien dire ici. Ça veut pas dire dans ma chambre. Chérie, tu viens? Un important industriel. Respectable. Passion. J'ai horreur qu'on me traite de menteur. Doux. Eh ben, faudra jamais se fâcher. Jamais frapper personne. Jamais. Jamais. Et si on le noyait? Ah, je vous préviens, hein? Jeff, fais-lui une tarte. Vous êtes vraiment des gens agréables. J'espère qu'ils ne vont pas m'assassiner devant votre porte, qu'ils auront au moins la pudeur de faire ça un peu plus loin. Enfin, monsieur, à quoi ça ressemble? On ne tue pas les gens comme ça. Chose de très jolie tout à l'heure sur l'automne. Qu'est-ce que c'était? Je vous demandais si vous aimiez ça. Oui. Moi, j'aime ça. Quoi? L'automne. Heureusement qu'on s'est pas connus en été, hein, parce qu'on n'aurait pas trop su quoi se dire.